Bonjour, bonsoir, combattant. Moi, ça va dépendre de l'air. Regardez la vidéo. Ça, c'est un plaisir pour moi à chaque fois. Pour me chercher dans le micro, ça, pour me porter pour nous une nouvelle émission. Après le président américain Joe Biden, mandé Conseil de sécurité des Nations Unies pour autoriser le déploiement de force internationale dans le pays d'Haïti. Et force ça, d'après le chef de l'État américain, il dit. L'île pour aider PNH combattre gang yo dans pays là. Elle t'a même dit peuple haïtien pas qu'attendre pour longtemps. Ça veut dire là rapide au presto pour yo voyer une force nationale pour venir aider la police combattre gang yo. Ça c'est parole président Joe Biden dans ouverti débat dans 78e section Assemblée générale ONU. Tout de suite après, côté président Joe Biden, t'a fait déclaration ça. Deux pays qui sont Haïti avec Kenya, yo pral officiellement établi une relation diplomatique. Deux pays yo signé un communiqué ensemble jour qui était mercredi qui se passe là côté yo chaque accepter voyer ambassadeur sous territoire une lot. Ça veut dire là ambassadeur pays d'Haïti ka aller dans pays Kenya et ambassadeur pays Kenya li ka vini tout dans pays d'Haïti yo développer une relation diplomatique. Ça veut dire là pays yo vinn zami yo vinn pi serré. C'est ça ministre affaires étrangères pays d'Haïti qui c'est Jean-Victor Généus avec homologue lui qui c'est Alfred qui signé communiqué cela. Regardez photo yo côté PM Ariel Henry avec président ou bien tout moi comme bien quoi c'est président pays Kenya qui était là qui c'est William. Femme tout bien président pays Kenya non la parole qu'elle te prend. Li même arrivé dit li paré li prêt pour voir une force multinationale en Haïti. Pays Kenya li d'accord et lui même dit li était prêt pour voyer force ça dans pays là pour aider la police combattre gang yo. Pays Kenya dit li paré li mandé Nations Unies voter résolution rapide pour bail autorisation pour force là qui entrer dans pays d'Haïti. On regarde ensemble qui Jean président William t'a prend la parole dans assemblée dans 78e section assemblée générale ONU. On regarde après ça m'a tourner pour notre propre indépendance et la souveraineté. Et donc le Kenya comprend tout à fait les humiliations d'un peuple fier, celui d'Haïti, et comprend le prix qu'il a dû payer pour sa soif de liberté, toutes les souffrances qu'ils ont dû endurer. Haïti est l'épreuve ultime de la solidarité et de l'action collective. La communauté internationale, jusqu'ici, a échoué et il a manqué ses obligations envers un peuple, et cela très gravement. Haïti mérite mieux du monde. Le cri de nos frères et sœurs, qui furent le premier peuple à se libérer de la tyrannie coloniale, est parvenu à nos oreilles et a touché nos cœurs. Ne rien faire face à cette isolation historique, cette négligence, cette trahison du peuple d'Haïti, voilà qui est hors de question. L'inaction n'est plus une option. Alors que nous nous mobilisons pour l'Ukraine et d'autres pays qui ont connu les conséquences dévastatrices des chocs climatiques, y compris la Libye, le Maroc et Hawaï, nous ne devons pas laisser Haïti pour compte. Nous devons nous engager à faire preuve de solidarité pour soutenir un peuple, pour lui permettre de reprendre pied de manière politique et socio-économique en renforçant les éléments habilitants, le principal étant la sécurité. Le Kenya est
prêt à pleinement jouer son rôle et à rejoindre une coalition d'autres pays de bonne volonté. Et il y en a beaucoup, en tant que grand ami, véritable frère d'Haïti. Nous exhortons l'ONU à créer de toute urgence un cadre approprié pour faciliter le déploiement d'une mission multinationale d'appui sécuritaire dans le cadre d'une réponse holistique aux défis d'Haïti. Nous appelons le Conseil de sécurité à apporter une contribution positive en approuvant une résolution au titre du chapitre 7 qui adapte cette mission de soutien sécuritaire aux besoins particuliers d'Haïti et de son peuple. Voilà qui devrait faire part d'une stratégie globale qui inclut le cheminement d'aide humanitaire, le soutien aux moyens de subsistance, la création de réformes, la promotion d'un processus politique dirigé et pris en main par les Haïtiens. L'objectif étant de permettre des élections libres et régulières dans un calendrier raisonnable. Nous sommes encouragés par les nombreux pays qui ont déjà dit qu'ils étaient prêts à participer à cet élan de solidarité. Nous devons comprendre que la stabilité, la paix et la sécurité sont le socle sur lequel la recherche et la réalisation du développement et l'action climatique reposent. Cela doit nous permettre de formuler des stratégies qui considèrent ces initiatives comme liées entre elles, se renforçant mutuellement et comme des dimensions complémentaires d'un seul projet. Le spectacle tragique des jeunes de l'Afrique qui embarquent sur de frêles embarcations pour miser leur vie dans des voyages vers de lointaines terres pour chercher des possibilités et qui deviennent des réfugiés, des conflits, des réfugiés climatiques, des réfugiés économiques, voilà qui atteste de l'échec du système économique mondial. Nous attendons président pays Kenya, qui c'est William Ruto. Il ne parle pas français. Li ba l'anglais. Mais nous connaissons dans l'assemblée, il y a plusieurs pays, il n'y a pas l'anglais. Il y a espagnol qui parle français, nous même qui là qui parle français et créole, il y a pas l'autre langue tout. Mais dans le genre de l'assemblée, il y a toujours des gens qui traduit. Si pas gens qui traduit pour vous, il y a un casse dans le jeu. Les gens qui parlent en langue et casse ça en mesi pour traduire ça, qui parle ya. Dans la langue que vous parlez. Vous comprenez bien, oui? Si je parle créole, dans l'assemblée, les gens qui parlent chinois ou pas comprendre, ils sont obligés de traduire créole là dans la langue chinoise pour les chinois comprendre. Ils sont obligés de traduire tout dans la langue anglaise pour les anglais comprendre. Le président du pays Kenya parle anglais et puis tout, ils ont traduit en français. C'est en français que vous attendez là. Bon, nous attendons qui est le président qui lui parle là. Il mande pour l'Assemblée à voter toute résolution pour joindre un délai pour conquérir, pour envoyer force ça dans le pays d'Haïti. Pour ne pas aider force militaire, femme ou bien, il a dégénéré sous frontière ou en amet là. Soldats dominicains, ils ont multiplié les troupes, ils ont renforcé sous frontière ou en amet là. Et ça plus grave là, yon mouté abri. Abri ça qui yon mouté ya, nan do abri ça, ge soldat dominicain qui pète zam yo, zam trepye, sou moun kap travail yo, sou ajambe sap yo, nan kanal là. Est-ce que son nouveau lord yon arrive jouen? Parce que jodia là, yon multiplié, yon vin pour avoir augmenté les troupes que j'ai obtenues sous frontière et ils ont monté à abri. Le monté à abri, ça veut dire qui ça? Est-ce qu'on parle pour guerre? Parce que l'agent de sa peut camper dans le territoire par nous, ils ont des gens qui sont dans le même tout pour agent et pour soldats dominicains, ils ont des gens qui font une fois. C'est tout le fait que vous venez aujourd'hui là, ils ont monté à abri, c'est un lot de joindre. Yo fait parade, yo prend disposition yo, des snipers qui parmi yo, m'a demandé moi-même qui lord Luis Abinadel ba yo jodi a la qui veut que yo vini, yo débarqué sous frontière a, yo monte abri, yo pété zam yo sous nous-même haïtiens.
et vous avez même venu avec les journalistes. Vous lancez des drones. Il y a des gens qui ont interviewé avec les journalistes dominicains. Si ça veut dire, pas qu'on est. Ça, c'est un mauvais signe. Vous avez fait tout le monde possible pour écraser le canal. Les lapins sont tombés. Vous avez quitté le canal pas écrasé. Et ça a augmenté le courage des haïtiens pour travailler plus raide, bien rapide pour finir avec ce canal. Là. Et ensuite, j'aime t'a dit dans la vidéo précédente, il commence à monter l'autre rangé bloc sur le canal là parce que le canal était trop bas. L'aide lui a venu pour ne pas monter, pour lui être dans le niveau. Mes amis, on a regardé qui Jean, soldat dominicain, est débarqué aujourd'hui à la même. Pendant que je parle là, soldats dominicains ont pris disposition sur la frontière. Ils ont augmenté les troupes. Ils ont commencé à monter à abri avec sac blanc. Et ils ont caché les abris là. Ils ont pété les amis sous direction Haïti. Qui s'est passé? On a regardé. Après ça, on a tourné. Voilà, ça n'a pas constaté là, c'est les journalistes dominicains qui arrivaient sous la frontière là pour venir regarder comment ça y est, et pour venir regarder comment la situation est lui-même. Nous avons avancé, Porque hay dos pueblos que somos hermanos, compartimos la misma isla. ¿Cuál es tu impresión ante este conflicto? Ese conflicto que viene, mi pueblo me viene a escuchar, dominicanos y haitianos. Somos una nación juzgada y sabemos que somos una nación acercada. Y tenemos que tener una palabra uno al otro. Porque yo entiendo la confusión que hay. Es que quiere decir, americana igualmente, vamos a hablar de eso. Americana entiende para armar dominicano. Pero que la pelea se va a hacer. Es con un destruyo, ¿cómo decir? Un destruyo. Porque primeramente ustedes van a tirar, van a hacer esto, se van a pelear. Pero yo entiendo que la otra nación quiere estar de tierra. Entonces la tierra le pertenece a ellos, dicen ellos. Sin embargo, nosotros somos los vecinos que tenemos que estar juntos con la misma palabra, porque si sabemos que nosotros tenemos niños igualmente dominicanos con haitianos, haitianos con dominicanos, ¿tú entiendes? Entonces, ¿qué se debe de decir? Esta decisión es para de pedir guerra. Tiempo no es guerra. Ustedes tienen que dejar el tiempo de Papá Dios y de los espíritus de los demás que trabajan. Porque nosotros sabemos que todo existe en la tierra. Nuestra chichería, chichería, como dice la gente. ¿Ustedes no creen eso? Yo creo en eso. Y eso se puede proteger. Dios es todo. Pero hay humanos que no están respeto ya a Dios. Que Papá Dios también dice que no se deja todas las cosas a Papá Dios. ¿Qué tú entiendes que sobre la construcción del canal de aquel lado? ¿Está bien eso? ¿Porque no se viola la ley? ¿Qué tú crees? Bueno, esa ley no se ha violado, porque yo entiendo que ustedes tienen canales, ahí nadie le dicen que no. Hay que seguir construyendo, porque ¿qué es lo que pasa? Haití necesita producir también, igual que ustedes, porque si yo produzco, le vale a ustedes. Igualmente que yo voy a llevar algo que le falta a ustedes. Igualmente, si ustedes siembran arroz, nosotros vamos a tratar de construir otra cosa. Porque igualmente, ustedes tienen como ya 13 canales, yo me imagino, porque yo soy potea también. ¿Tú entiendes? Yo hablo claro, yo soy un cantante también, porque yo sé de la política. Yo me entiendo, yo le digo igualmente, le digo a Abinader, él está mandando a los militares a guerrear, pero él no va a poder soportar las plantaciones que hay allá, porque se sabe que Haití es que compra todo. ¿Tú entiendes? Y el mercado que está cerrado ahora mismo, ¿cómo el comercio se ha disminuido del lado de Juanamendi y de Gabón? Bueno, yo entiendo, nosotros siempre tenemos mercancía, como sea, porque nosotros tenemos los otros países que nos mandan mercancía. E igualmente que le podemos decir a Abinader, cierra esa aduana. Si él lo cierra, los militares comen menos.
porque yo entiendo un militar y se come, es uno cruzando el otro, ayudando al otro, y eso se sabe que sí, y se debe de hacer. Ustedes tienen mercancía, pero tienen a quién vendérsela, porque el mercado binacional está cerrado. Porque yo entiendo, nosotros no vendemos entre uno mismo, y lo que se va para allá afuera se va, porque hay muchos empresarios. Y nosotros sabemos, sin eso no podemos vivir, sin el mercado igual, el mercado de allá tiene que abrir también. Hay que darle, si bien que sea dos días, el mercado de allá, porque el mercado de allá es lo mejor para ustedes. Hay muchas producciones. Nosotros estamos pidiendo que nos dejen, por favor, construir los canales tranquilamente como vecinos somos. Eso no hay que tener guerra ni pelear. E igualmente, dice aquel, un bandido, yo tengo arma, vamos a pelear, pero no vale. Lo que vale es la cabeza que hay que usar. Porque la cabeza es lo mejor de la vida. La fe tuya, donde está, ahí que tú crees, ahí que camina. E igual, yo soy un agrónomo también, yo trabajo, produzco mucho en Dominicana, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, yo no puedo decir que yo soy mal agradecido con Dominicana, pero la verdad hay que hablarlo. E igual, yo soy un niño que fui pelotero allá en Dominicana. Entonces, ¿tu nombre es? Yo soy, allá me dicen James. James. Sí. ¿Pero cómo es tu nombre? Mi nombre es James y fácil. James. Sí. James. Nous sommes gardés qui j'en s'atteye. Nous oué et nous grands timoun, nous comprenons qui j'en cap joué. Nous avons demandé pour prudence, nous avons demandé pour renforcer la sécurité si nous sommes sur les frontières parce que nous ne savons pas ce qu'on dit, c'est nous-mêmes. Nous avons dit l'ordre, regardez l'armée de la République dominicaine. Ça veut dire là, tout ça nous avons fait là, c'est la disposition qu'on prend. C'est l'ordre qui passe, qui veut que. Chaque jour, où est un nouveau bagage qui a fait sur frontière avec Dominicain. D'ailleurs, nous avons la réponse contre nous. Et quand nous sommes nous comprenons tout le goût de ces poissons. Bon, femmes ou bien, quand on n'a pas campé, on a travaillé raide. Et il y a un syndicat de transport Belade qui fait un don 400 sacs de ciment. Je quitte mardi 19 septembre ce passé là pour continuer travail et construction canal rivière massacre là. D'après ça, syndicaliste ou bien syndicaliste et Petris Léris fait connait quand la campé et campé red avec tout le monde qui travaille dans canal ci là et a pensé pour ouais qui j'ai que yo capé sur l'autre canal toujours. On sait le canal a pas assez. Et en même temps, oui, Luis Abinader a demandé pour le canal a campé. Selon ça, il dit, le canal pas qu'on campé. Ça, c'est coucher le coucher pour l'eau couler la donne. Qu'est-ce que je vais faire le canal pour mettre le campé? Le mettre le campé, c'est de l'eau qu'on monte. Mais non. C'est coucher pour le canal a couché, pour l'eau passer la donne. Avec le canal a campé, ça, c'est Luis Abinader qui connaît. Et on m'a dit, Abinader a crié pour de l'eau. S'il t'a aimé de l'eau comme ça, il a tout un petit poisson, il a tout un requin, il a tout un grenouille. Premier petit goutte de l'eau prend dans le canal là, il a tout plein ça. Et là, nous commençons à passer 5 autres canals encore. Soit on dit même, nous avons qu'on est. Comme on prend disposition pour fermer les frontières, chaque jour, on déporte les gens, pas pile, pas ma conne. On a humilié, on a poussé. Faire sortir malgré nous légal nous déporter. Ça veut dire là c'est pression à faire sur nous mais nous pas camper canal pas qu'on camper ça c'est coucher le coucher pour de l'eau couler la donne. Malé rendez-vous dans la prochaine émission pour nous venir traiter un autre dossier. Dit par la suite, ministère de l'Agriculture démenti information ça. Comment population qui n'a construction canal là, moun nan département nord-est pays, comment ont été recevoir nouvelle ça et comment construction avancé par rapport à la pluie qui est tombée hier soir tout. Merci, Jean-Yves. Alors, je ne connais pas si vous avez besoin de Jean-Ismaël, il faut que tu génèses des dossiers à vous. Vous mettez avancé, je pense que c'est important puisque vous êtes maître Villa, ou c'est nègre et Wanamet, et je connais l'importance, je connais ça Wanamet, je voulais dire pour Guillaume Widley. Ok. Alors, pour nous démarrer avec le dossier ça, dans l'émission, pour passer la parole. C'est que ces paysans qui vivent dans la zone Pitoubé, Pitoubé, commune Wanamet, qui vivent sous
y a un espace de terrain qui a fait manger. Plus passer 5000 hectares qui a produit manger. C'est habitants qui viennent à Pitobé, Wanamet, mêlé avec commune Ferrier. Y a une pour initiative, c'était dans la date 30 d'août qui se passait là. Il y a une initiative là à propre gré. Il dit qu'après assassinat président Jovenel Moïse, projet ça les mêmes lignes. Comment alors? Comme on l'appelle, c'est un projet qui vient en 2014 qui est dans le commandé. Sous président Michel Martelly, qui n'est pas fini. Arrivé président Jovenel Moïse au pouvoir, lui, il a continué avec le projet là. Effectivement, oui. Projet a continué sous l'administration Jovenel Moïse là. Radio Omega. Jovenel Moïse est assassiné. Vous gardez la parole. En 2021, projet a campé. Mais la raison qui fait groupe paysan a plutôt bien pour l'initiative ça pour dire contre le canal là, c'est compagnie industrielle Côte de Vie qui était point, qui était point un paysan, ils ont fait en forme de négociation comme quoi Côte de Vie a dédommagé 74 familles en raison de 500 000 gouttes par famille. Et bien, tu as vu gagner un incident regrettable qui était passé dans le Côte de Vie, nous songez ça. Alors, on dit que c'est 174 familles. En dedans, Côte de Vie, ça devine soulever colère population, ou en amène surtout population en Bagaya, qui dit que si Côte de Vie, je dis là, pour eux-mêmes, ils considèrent comme ils ont mal absolu, il y a des gens qui font que Côte de Vie sont mal laissés et tout. Je dis que Côte de Vie, à mettre des dans la population, si tu es. Qui a fait mal, t'inquiète, tu vas de qui au DM maintenant. Radio Omega. Vous avez la pointe en main, en gros. Vous gardez la parole. Un mouvement qui déjoint et support et on peut dire un personnage politique qui c'est Madame Wibin Pierre. Il y a d'autres personnalités politiques qui ont vu en bataille dans Wanamet. Vous avez cotisé après eux-mêmes, ils ont dit qu'il y a continué le canal là. Dans la date qui était 5 septembre qui se passe là, premier personnage politique qui a été recevoir. Radio Omega. Ancien sénateur de Frawani Pierre, qui était accompagné magistrat voilà maintenant, le Madrid-Trigis destiné au Céline, mais ça, sénateur Wani Pierre, c'est pour mettre trois supports. Support moral, technique et financier. Vous gardez la parole. Dans mercredi, sénateur Wani Pierre est voué une équipe topographe, elle fait étude, dans le canal là pour permettre que le travail là, il respecte les normes techniques. Dans mercredi, c'était 6, c'est la terre Wanik Pierre, il est avec technicien. Après ça, il vient avec Cylindre pour mettre le travail là, il vient de continuer. Et puis, on vient l'autre personnage politique à venir pour des supports de façon qu'il est capable de tout pays à mobiliser de façon qu'il est capable de porter support à mon Wanamet pour canal d'irrigation et sous le massacre lui-même, lui compte. Plus passer 5000 hectares ou zé dans plein nord pour mettre. Pour du manger, faire avancer la production nationale là. Bonjour Ismaël. Oui, d'avancer. Ok. Radio Omega. Pas mal de délégations qui sont tout partout à travers la République et ceci, il y a participation diaspora qui contribue largement à l'âge et pour Canal A lui-même, lui continue. Aujourd'hui, à la qui niveau Canal A lui-même est d'abord, à qui niveau Canal A est. Hier soir, j'étais arrivé dans le niveau côté. Ils ont fait et ça a mis le couffrage là, ma souris, ça faisait fini pour béton décoller. Donc ouais, depuis hier après-midi, il y a un béton qui commence à couler. Radio Omega. C'était la pluie qui a commencé à tomber. Et nous avons vu une jeune matin là, qui a été en couille, ça qui n'est pas endommagé. Et on peut dire travail ma souris, du moins le travail couffrage qui était fait. Et côté plus capter de l'eau même, pour être pleinement lui-même lui rosé, et bien, tout matin, la première fois, on est censé redémarrer et vous mettez le canal lui-même, lui continuer, Israël. Alors, information que tu es venu joindre nous, et tu as fait quoi? La pluie tombée dans nord-est, hier, notamment dans la ville Wanamet, lui. Souvelé et paralysé ou bien l'handicapé même travail et construction canal qu'a fait sous rivière Massacre là et Guillaume Tridlin. Non, la pluie qui tombe sous commune Wanamet hier soir qui la cause rivière Massacre.
lui, ça déjà, il n'est pas endommagé, il n'est pas fait qu'un effet négatif sur le travail là. Bon, dis non, parce que le travail là, c'est bien fait. Vous prenez la parole. Très, très technique. On va besoin de techniciens pour l'arrivée en bas, la forêt qui est en ouest. C'est bon, travail. Contrairement à ça. Pas des profanes qui sont dans l'espace là. Oui, c'est pas des profanes. Parce que bon équipe technique, bon équipe d'ingénieurs qui sont sur la plaine. Bon équipe d'ingénieurs qui sont sur la plaine, qui ont orienté, qui ont des bons maçons. Contre le maître qui a géré un canal là. On regarde ce matin là, le canal continue et béton continue à couler dans l'espace là. Seul ça, on est capable de constater, c'est que nous avons les rivières à accrues. Ils viennent avec Sandra Labrelle et Fatra, et bien Fatra vient coller dans le même canal là. Mais c'est pas crasé pour ce canal là, crasé ni pas. N'est pas perturbé le démarrage de travail là pour matin et je dirais bien et septembre là va dessus. Alors tout le monde tout soufflé, boss maçon, tout le monde qui est baïtan yo dans la construction canal ça et travailleur de continuer normal jeudi à. Mais nouvelle qui te vin joint nous ou même ces journalistes dans ville Wanamet, comment pour paysan yo te recevoir nouvelle ça par la suite qui pourra démentir par le ministère de l'agriculture. Pour paysan toujours le même qui ça passe. Paysan c'est n'importe qui dans l'escalade fermé contre toi avec paysan en bas. Paysan même yo dit bah yo passe gouvernement actuel là crédit. Il y a déjà une position du gouvernement haïtien. Si vous avez une la parole, il a déjà fait déjà. Radio-Méga. Si vous avez un problème de vote qui a fait un problème de radio, il prend le président dominicain Luis Abinadel, il met le président Zilea. Mais non, il dit qu'il y a une souveraineté pour sauvegarder. Avec je dis, l'ambassade, elle a fait pour mettre une autosuffisance alimentaire. Alimentaire. C'est ça qui a bataille. C'est ça qui a bataille pour lui. Et mais il dit que je ne pas croire dans le gouvernement Ariel Henry parce que le gouvernement ça pour ensemble des ingérences, le pays dominicain toujours fait sur Haïti. Je ne prends pas lever tête pour garder la République dominicaine et face à face pour bailler la République dominicaine. Réponse. Et ça qui est plus indigne des pays. Regardez côté ministre environnement, James Cadet, il dépasse l'instruction à. Le directeur général Anabla, Jean-Pierre Joseph, pour retirer cette agence et PESAP qui gagne un point frontière qui a sécurisé le travail canal là. Pour hier, Jean-Pierre Joseph s'est débarqué dans le canal là. Côté lui, il vient féliciter mon Pito Berg qui a fait travailler le canal là. Et plutôt, il vient renforcer une garde de présence et davantage à Jean-Pierre la parole devant le canal là. Jean-Pierre Joseph dit que la souveraineté du pays a lui menacé. Et bien, je dis à là, les papes quittent pour venir sans coup col. Il faut que lui-même, il faut que l'agent de sacré lui-même, il a accompagné paysans qui ont construit le canal d'Isma. Mais malgré confiance, paysan et Pito Bay, paysan qui est sous qui n'a construction canal sous rivière massacre là, il a pas fait moun ki la yo, équipe dirigeante là yo. Est-ce que vous remarquez ou senti y a tant quand même présence et l'État, présence gouvernement, puisque dans dernière note, il a été dehors, il a été annoncé ministère environnement avec ministère de l'agriculture d'après prendre construction canal ça sous responsabilité yo à travers deux ministères nous sous cité là yo représentants dans le département nord-est là. Est-ce que vous présent avec paysans yo? Est-ce que vous avez matériel ministère de l'agriculture? Est-ce que vous avez matériel ministère environnement à joindre paysans yo? Non, pas que ça dit tout, l'État absent, complètement. Vous la parole et mon Dieu, clair, tu vas besoin d'État. C'est le travail de notre travail, ça là, le travail à Capo Campi. Mais quand même, c'est travail l'État. Si l'État vient pour l'accompagner, mieux pour aller dans la même direction, pas quoi, paysan a couru des gouvernements. On ne peut pas connaître, mais eux-mêmes, ils ont dit qu'ils n'ont pas dans l'État. Ils n'ont pas dans l'État, on va travailler là-dedans, la conservation pendant celle-ci. C'est quoi eux-mêmes, les citoyens qui organisent les initiatives là. Malgré comment ça travaille là, depuis 30 août. Il n'y a pas un jeune mouvement qui nous tourne une balle avec qui on travaille là. Or, c'est de l'État ici qui a construit le canal là. Donc, mais nouvelle là.
ça c'est qui pas le démentir. Donc il n'est pas intéressé Mounio. Mounio c'est pour devant y a regarder, c'est construction canal là et c'est ouais au rivé fini avec construction canal là. Oui oui, il y a fini canal là, c'est sans l'état. C'est l'état vient, il y a pas de problème. Donc là oui, c'est l'état vient, il y a pas de problème. L'état vient, il y a la route, mais va camper dans l'état. Mais comme je dis mais ville Fontalia yo, c'est des villes qui dépendent directement sous fond de la parole Saint-Domingue. Ça c'est pour les ponts secrets. Si Port-au-Prince a un problème, Jean moun au kayap senti là et pas comme ça moun wa nan main et pas comme ça moun fo liberté et même cap haïtien même c'est pas comme ça y a vivre li parce que mais qu'on est moun wa nan main t'a fait manger nous traverser. Nous traverser, nous acheter glace, nous, d'abonne pour nous faire genou. C'est si moi, valable tout pour citoyens qui vivent là, là, valable pour citoyens qui vivent en Sapit, dans le sud-est pays, li valable pour ceux qui vivent Malpasse, dans le département l'ouest pays. Côté mon résistance, ça, et a fait là, je ne vous dis, malgré toutes menaces, frontières fermées, lundi, elle pas l'ouvrir, pas qu'on garantit la plouvrir encore demain, mais mon yo fixation, c'est ouais, yon fini avec construction canal là. Ça passe, Guillaume. Alors, mon yo, ça m'a dit, Evadiste. Vous avez la parole? Côté les vignes dépassées pour nous ramener. Radio Omega. C'est un dossier national. Mm-hmm. C'est tout haïtien en général qui ont même dit qu'il faut que la République de Kenya réponse. C'est quoi,